monde. Et me revoilà. Ouais, je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment. Voilà, voilà. une petite vidéo pour un petit haul, tout petit haul. Je suis allée mardi chercher mes médicaments et puis en même temps, vu que j'étais à mi-chemin de Dittré, ben, je suis avancée jusqu'à Dittré. Alors à Action de Dittré, ça y est, le rayon le Noël est installé. Donc vous y trouverez tous les papiers de Noël et d'autres petites choses. Donc moi j'ai pris dans le rayon Noël, j'ai pris ceci. C'est la Music Box. Vous savez, il y a quelque temps, ils nous avaient mis déjà des boîtes à musique. Il y avait le carrousel, les danseurs et puis le phonographe. Donc là, ils ont mis... Alors, il y a deux modèles. J'ai pris que celui-là parce que c'est avec le Père Noël et le sapin. Donc, j'ai trouvé ça trop rigolo. Donc, c'est des choses... On va regarder, hein, c'est des choses en bois. Je cherche mon cutter. Oups là. Donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a, hop là, il y a le petit moteur. Enfin, c'est pas un moteur, c'est la boîte à musique avec la clé, les vis, tout ça. Et puis donc on a la notice d'explication comment faire. Donc il faut suivre faut bien suivre les dessins, donc le A, B, C, voilà, faut suivre vraiment dans le bon sens, hein. Faut suivre tout ça. Et puis donc c'est des découpes qui sont faites dans du bois. Il a l'air un peu plus épais que la dernière fois. C'est du bois comme ça, donc il y a plein de découpes. Donc je ferai ça, je vais la monter parce que j'ai trop hâte de savoir qu'est-ce que ça chante. Comme j'espère que c'est de la musique de Noël. J'espère. Donc je remets dans la boîte. Donc ça c'était autour de 4,99€, quelque chose comme ça. Et pour 4€, je crois que c'est 4,99€ aussi, ou peut-être 95€, j'ai pris le Diamond Painting avec le Père Noël qui a la lisse là. Je le trouvais trop joli. Je l'avais vu sur le site internet et j'avais hâte de le trouver. Et comme dans les autres magasins, il n'y avait quasiment plus rien, je suis contente qu'à Dittré, ils aient un petit peu 2-3 semaines de retard. Parce que là, bah, au moins, je l'ai trouvé. J'ai pris ça et puis j'ai pris aussi, alors ça c'est 1,99€, j'ai pris un petit sachet avec des sapins. Il y a des sapins de toutes les tailles. Donc j'y tiens, ça pour faire une petite scénette, c'est pas mal. J'ai pris des M&M's, mais je les ai mangés depuis, hein, parce que là j'y étais mardi et on est jeudi 14. On est jeudi 14, donc voilà, en deux jours, j'avais pris des Raiders aussi, hein, non, des Twix. Raider, c'était l'ancienne marque. J'ai pris des Twix et bah, je les ai mangés. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pris à Action de Dittré. Et puis je suis allée à Yo-Bureau chercher la cartonnette. Donc là, j'ai pas pris une grande pas. D'habitude, je prends des planches qui font 1m20 sur 90 ou quelque chose comme ça. Là, j'ai pris 50 par 65 cm et c'est du 1,5 mm. Donc ça, c'est pour un projet que je veux faire. Donc c'est des grandes plaques, je sais pas si vous voyez. Alors le prix, il est sur l'étiquette. À Yo-Bureau, je paye ça 1,85€ la plaque. Donc ça me fait 3,70€, je crois. Donc voilà, c'était donc ma petite vidéo. Donc sinon, qu'est-ce que je fais en ce moment? Je suis dans l'album pour ma petite nièce qui a eu donc 20 ans, hop là, le 12. Donc j'ai encore deux pages. Enfin,
c'est même plus les pages, je suis en train de faire les couverts, le gauche et puis le droit. Et je vais faire le bijou d'album. Alors là, j'ai fait une commande sur Brico et Scrap. Devrait pas tarder à arriver. Si ça arrive pas aujourd'hui, ça arrivera demain parce que je l'ai faite dimanche. Le colis est parti lundi, donc ça devrait plus tarder à arriver à mon mondial relais. J'ai sorti la voiture. Bah ouais, je suis déjà allée à Toircey, j'ai cassé ma monture. En essuyant les verres, j'ai pété ma monture. Donc j'ai dit, mince, qu'est-ce que je fais? Alors hop, je regarde l'heure. Ah, j'ai 9h moins 10, moins 5. J'y allais, je vais chez mon opticien là-bas, à Toircey. Donc elle m'a fait une réparation temporaire. Elle a commandé donc cette partie-là, quoi. Elle a commandé cette partie-là. Alors j'ai de la chance. Ah ouais, j'ai de la chance. Parce qu'elles sont encore sous garantie. Donc ça ne va rien me coûter. Puis je dis c'est ballot, hein, parce que je les ai cassées aujourd'hui et je vois l'ophtalmo dans 8 jours. Donc ça aurait été mieux de les casser dans 8 jours, quoi. Alors, je repartirai donc avec cette partie-là de la monture qui sera neuve, du coup. Donc du coup, si je change, si j'ai une ordonnance, je changerai que les verres. Ah ben, j'ai dit, ça sera mieux. C'est ce que j'avais l'intention de faire, de toute façon. Parce que j'aime bien ma monture, j'ai pas envie de la changer. Et ça m'a embêté quand je l'ai cassée, quand j'ai entendu clac dans mes mains. Puis j'avais le verre, j'ai dit, qu'est-ce qui fait dans ma main, ce verre? Ah ouais, d'accord, j'ai pété, c'est une soudure qui a lâché. Donc c'est bien, c'est encore dans la garantie. Donc voilà, c'était une petite vidéo comme ça. Un petit haul, un petit blabla, un petit tout ce qu'on veut. Donc je vais vous laisser, je vais vous dire à bientôt. Oui, parce que là, en fait, ce que je fais, c'est que je suis en train de préparer l'exposition de samedi et dimanche dans la commune d'à côté. Donc pour les journées du patrimoine, donc le club Échange de Savoir, on expose nos créations. Donc je suis en train de préparer ça. Je me suis fait une banderole grâce à ma Cricut Maker et la presse que je me suis achetée aussi. Vous allez voir ça. Vous aurez peut-être vu déjà les vidéos, je sais pas. Je sais pas dans quel sens je vais les mettre mes vidéos. Alors je sais pas. Donc voilà. Et puis je vais vous dire à bientôt. Je vous fais plein de scrap bisous et je vous dis à bientôt. Scrap bisous les copains et les copines. À bientôt.